Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction Corée du Sud avec le retour d'une des ex-membres du girls group coréen Heiho Hei. J'ai nommé, je pense que c'était la leader, Jimin, qui revient avec un tout nouveau single qui s'intitule Walking Tanking et également le MV qui l'illustre. Mais avant d'éblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine et que vous avez passé relativement un bon week-end, mais également une bonne journée. Moi, je vais pas vous mentir, je me suis levée du mauvais pied, donc je suis assez de mauvaise humeur. Je travaille cet après-midi jusque ce soir. J'espère que ma mauvaise humeur va passer. La fatigue est très présente, j'ai presque pas dormi de nouveau cette nuit, donc voilà, j'accumule. Et ma positive attitude des dernières semaines commence à de nouveau s'effriter légèrement. Mais bon, espérons que mes réactions vont me faire du bien, parce que souvent ma pilule magique c'est la musique, donc on verra bien ce que ça donne. Pour vous expliquer un petit peu Jimin, etc., je pense que vous le savez, il y a eu beaucoup de polémiques autour d'elle. Elle a même quitté le groupe, elle s'est fait un peu en mode hiatus pendant quelques temps à cause d'harcèlement dans le groupe, etc. Moi ici je juge tout simplement l'artiste. Il y a beaucoup de choses qui est un peu bizarre dans cette affaire, même de la part de la personne qui aurait été harcelée par Jimin. Donc voilà, moi qui je suis pour juger de toute façon cette affaire. Mais pour ceux qui ne connaissaient pas trop cette affaire, je vous invite à aller voir sur Kegen ou alors sur d'autres sites qui relatent les infos K-pop, ou même BJ, peut-être qu'il en a parlé à un moment donné, je ne sais pas. Mais c'est parti, on se met dans l'axe et j'ai envie de te dire, let's go. En général j'aime bien. J'ai pas encore déjeuné, donc vous allez me voir manger mes miel pops comme ça. Bien manger mes miel pops comme ça. Toujours aussi belle. Hein. J'aime bien. La chanson elle est très chouette, on a un style pop rock comme ça. J'aime beaucoup le synthé en arrière-plan. J'ai adoré les débuts de AOA quand ils étaient avec leurs instruments et tout, je trouvais que c'était trop bien pour un girls group. C'est dommage qu'ils ont vite perdu leur truc quoi. L'agence a fait un peu n'importe quoi aussi avec ce groupe. Hein. C'est joli ça. Bon, le MV est très très simple, on joue beaucoup avec les couleurs. On avait un début très très blanc. Oh, des petits cœurs, j'ai mis des petits cœurs aujourd'hui. C'est dommage que j'ai pas accès vraiment au sous-titre parce que je comprends pas trop ce qu'elle veut dire. C'est cool qu'elle revienne avec sa guitare. Alors j'aime bien parce que la chambre elle est toute blanche, mais tout le reste est hyper coloré. Je suis contente qu'il y ait une partie rap, parce que c'est une très bonne rappeuse, hein. Elle a un grain de voix très spécifique. J'aime bien tous ces vêtements, il y a des smileys. On dirait comme si elle voulait dire garder le sourire.
Elle est chouette la valise. C'est comme si elle était. Elle expliquait qu'elle était enfermée, qu'elle n'osait pas sortir et tout, que là enfin elle ose partir. C'est très spécial. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour son nouveau single et son retour. On a un style vraiment très pop rock, mais j'aime beaucoup le synthétiseur qu'on entendait en arrière-plan, qui était vraiment vraiment mis en avant. Le tempo, extra, vraiment gros coup de cœur. Par contre, je n'ai pas compris le sens de la chanson, ce qu'elle voulait dire. Et au niveau du MV, bon, il est très très simple, hein. Elle vient d'une petite agence maintenant, donc le budget est moindre. J'ai bien aimé ses looks qui sont très excentriques, comme on a l'habitude de voir dans ses précédents single, et je pense qu'elle a sorti un mini album, je suis plus sûre. Ce que j'ai apprécié, c'est que on voit vraiment ce côté très neutre dans les blancs, beige, cassé et tout, et vers la fin tu vois vraiment cette grosse valise qui prend toute la place et qui est vraiment un rouge orange vif, et toutes ces fringues sont de couleur, donc on a vraiment ce contraste qui est différent, à part de cette pièce qui est vraiment impersonnel, je trouve. Et sur chaque vêtement, tu vois des petits smileys qui sourient. Et à la fin, tu vois qu'elle sort enfin, comme si elle voulait se libérer de cette cage, peut-être, de cette pièce impersonnelle qui avait aucune personnalité. Est-ce qu'elle voulait nous montrer qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, hein, je n'ai pas compris le texte parce qu'il n'y avait pas les traductions, donc voilà, il y avait la traduction automatique, mais avec quelques phrases, mais c'était incohérent. Est-ce qu'elle voulait nous montrer vraiment cette liberté, peut-être affronter tout simplement ses peurs, affronter tout ce qui s'est passé avant, avec sa polémique, etc. Et vraiment montrer que maintenant elle est vraiment vraiment de retour et qu'elle va de l'avant et que le passé reste au passé. Je répète 10 fois la même chose, c'est pas grave. Donc voilà, peut-être que c'est une belle métaphore ou peut-être que je suis complètement erronée par rapport à ma déduction. Mais en tout cas, le vie, même certes simple, est assez sympa. Par contre, oui, vraiment, quand elle sort de ce camion et que tu vois l'arrière-plan tout brouillé, vraiment, cet effet écran vert, c'était un peu moche, hein. Voilà, quoi, on a déjà vu mieux, hein. En tout cas, au niveau de son single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes depuis le 13 avril. Et le visuel de la jaquette, tu la vois tout simplement un petit peu être enfermée sur elle-même, toutes des caisses de carton sur le côté. Tu vois beaucoup d'objets autour d'elle, genre un bateau, elle c'est comme si elle était sur la flaque. Tu vois aussi une sorte de dédoublement comme son ombre comme ça. Ça fait très nature peinture également. Tu vois une petite caisse avec un chat à côté, tu vois aussi quelqu'un qui est en train de plonger de la piscine. Enfin tu vois l'échelle et tout, enfin je sais pas, mais j'aime bien. Elle est très très jolie, elle est vraiment très jolie cette jaquette, et peut-être que ma déduction n'est pas erronée et elle est peut-être bonne. Et vous mes chers millennials, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez apprécié le retour de Jimin, qu'est-ce que vous pensez de ma théorie, si vous êtes à peu près dans la même, si je suis complètement dans le mauvais et que c'est erroné, n'hésitez pas à vous me faire vos synthèses, vos déductions, vos conclusions, qu'est-ce que je peux dire encore d'autre, on arrête là. Est-ce que vous avez apprécié également le MV, le tempo, etc. Je sais plus ce que j'ai dit, c'est pas grave, soit. Oh. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est une race, ça promet aujourd'hui, ça promet.